Supposons qu'on a l'équation 4x moins 3 égale 2x plus 1. On va montrer comment Al-Khwarizmi résolvait ça il y a environ 1200 ans. Alors, constatez que ce moins 3, ça nous dérange. Hein? Donc, par l'algèbre, autrement dit, la transposition, il va le transposer dans l'autre membre. 2x plus 1 plus 3. Transposé, signe opposé, comme on dirait aujourd'hui. Autrement dit, 4x égale 2x plus 4. Constatez qu'il y a beaucoup de 4, 2, 4. Tous sont dans la table de 2. Donc par al-hat, autrement dit par division, il va diviser tout par 2. 4x divisé par 2, 2x égale 2x divisé par 2x plus 4 divisé par 2, 2. Cette chose s'écrit aussi bien sûr x plus x égale x plus 2. Et maintenant, par al-mukabala, on va réduire, autrement dit, ce x qui est en trop dans les deux membres, et il disparaît, x égale 2, x égale 2. Voilà comment Al-Khwarizmi résolvait ça il y a 1200 ans. Sa photo, vous l'avez ici pour les 1200 ans depuis sa naissance. Al-Khwarizmi, timbre émis par la Poste soviétique.